Bonjour, Marie-Céline L'Espérance d'AlternativeSanté.com, ici à Saint-Augustin-des-Desmaures Oui. avec Madame Madeleine Turgeon. Bonjour Madame Turgeon. Bonjour Marie-Céline. Ça va bien? Ça va très bien, puis c'est un grand plaisir que tu sois là. Oh, merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être ici, de voir votre environnement. Vous êtes une pionnière de la réflexologie au Québec. Naturopathe? Oui, tout à fait. De formation, puis en premier lieu, je pense? Ça a été d'abord la réflexologie, mais la réflexologie, ça a pris quelques années, tandis que la naturopathie, ça a duré pendant 4 années. OK. Donc, les deux se sont faits un peu ensemble. OK. Oui. Donc, on continue. On sait que tu as écrit plusieurs beaux ouvrages sur la réflexologie. J'ai eu le plaisir, je dis le plaisir, de pouvoir synthétiser mon expérience, ma pensée dans 4 volumes. Oui. Et le premier a eu un énorme succès, 100 000 exemplaires vendus. Wow. C'est dans la simplicité, mais oui. Je crois que des fois, on comprend encore mieux oui. les choses simples. Oui. Et donc, ça, ce fut « Découvrons la réflexologie » en 1980, c'est loin. Et puis après, ça s'est poursuivi quelques années plus tard avec « Énergie réflexologie » qui est toujours d'actualité parce que l'énergie, ça ne change pas beaucoup. Non. Là, hein? Elle continue de circuler un peu de la même façon. Oui. Et puis, l'expérience avec les gens, parce que j'adore travailler avec des groupes pour leur partager ce que j'ai compris et appliqué. Et donc, avec eux, j'apprends beaucoup et puis je leur redonne, donc, dans un troisième ouvrage qui a été « La réflexologie du cerveau ». Oui. C'est un grand titre, hein, « La réflexologie du cerveau ». Oui. Mais ce travail se fait sur la tête, mais oui. aussi, il y a vraiment une façon d'aider notre cerveau pour mieux intégrer l'énergie entre les deux hémisphères. Mais c'est tout simple, encore une fois, okay. parce que quand nous parlons de réflexe, il faut comprendre qu'on ne doit pas intellectualiser et réfléchir trop longtemps sur les réflexes. Hein? C'est vrai. Et la réflexologie, essentiellement, c'est basé sur les réflexes. Donc, mon travail consiste à simplifier, oui. Intégrer, expliquer pour que nous puissions mieux intégrer nos réflexes. Oui. Puis le quatrième livre, lui, qui est arrivé en 2007, oui. Êtes-vous horizontal, vertical ou oblique? Ça ne dit pas vraiment exactement ce que c'est, mais c'est toujours un travail sur les réflexes. C'est une synthèse là, de toute mon expérience d'une 40aine d'années maintenant en réflexologie. Puis, lorsqu'on va le découvrir, on va l'utiliser à fond parce que c'est une base extraordinaire pour comprendre sur quels réflexes on peut travailler, qu'est-ce qui s'est un peu désorganisé à l'insu de notre conscience. Parce que le réflexe, c'est pas dans la conscience tellement. Hein. On le laisse aller oui. comme un petit peu comme le régulateur de vitesse, le cruise control, que disent les gens. Donc, nos réflexes, ben, sont souvent sur le cruise control. Et essentiellement, mon travail, c'est d'aider le réflexe à mieux se réintégrer. Parce qu'on ne peut pas toujours laisser le régulateur de vitesse s'en aller, hein? Il faut l'ajuster. Absolument. Ben, c'est ce que nous faisons en réflexologie. Ah, ça c'est bien. Oui. L'invitation est lancée pour votre dernier ouvrage aussi, tous les ouvrages. On peut aller voir votre site internet. Ah oui, absolument. Hein? Vos ouvrages sont là-dessus. Oui. Ensuite, vous allez me dire, quand quelqu'un vient vous consulter en réflexologie, je sais qu'il y a la réflexologie plantaire, des mains, du cerveau, du visage. Comment vous allez évaluer le type de traitement avec la personne? Quelle réflexologie oui, choisir? Allez-vous hein? utiliser ou est-ce que c'est la personne qui choisit ou est-ce que c'est toi, Madeleine, qui choisis? Ben, c'est moi qui choisis parce okay. que la personne ne sait généralement pas quels sont ses réflexes okay. qui se sont désajustés, on va dire ça comme ça. Oui. Hein? Et à ce moment-là, ben, c'est moi parce que moi, je dois l'aider à trouver sur quoi travailler. Mais comment je choisis?
Il y a une partie, je dirais, là, assez facile à comprendre, c'est que le pied, c'est beaucoup plus dans les énergies physiques. Oui. Hein, si vous avez, je sais pas quoi, moi, déménagé toute la journée, je pense que peut-être ce serait au niveau du pied. Par contre, si c'est une peine d'amour, un deuil, où l'émotionnel est très impliqué, ben, la main nous aide beaucoup. Parce que la main, c'est l'énergie intermédiaire entre la tête et le pied, entre le physique et le mental. Donc, si je vois qu'il y a beaucoup d'émotionnel, la main sera bien aidante. Et l'oreille, dès qu'on touche à la tête, c'est plus de l'ordre du mental. On sait bien que notre mental n'est pas toujours bien ajusté. Souvent, on est trop d'un côté dans notre cerveau gauche ou trop de l'autre dans notre cerveau droit. Il y a des gens qui sont flayés dans les nuages C'est avec le vrai. cerveau droit et d'autres qui sont vraiment pris dans des principes puis de la théorie qui limite avec le cerveau gauche. Donc, il y a un travail intéressant si c'est au niveau du mental qu'il y a eu une surchauffe. Hein, vous savez bien, des fois, là, on travaille fort et on devient embrouillé dans notre tête, mais l'oreille et la tête, c'est merveilleux parce que nous sommes tout près du cerveau. Donc, c'est un peu cela qui me fait choisir quelle réflexologie. Et ça, c'est indiqué aussi pour les enfants, les jeunes enfants. Est-ce que ça peut aider? Quelle belle question! La réflexologie, c'est un outil qu'on peut utiliser à tout âge. Hein? Il n'y a vraiment pas d'âge. J'aide actuellement ma mère de 92 ans et puis à chaque fois, je sais que je lui fais vraiment du bien. Ou les tout petits, dernièrement, il y avait un petit de 5 mois, il arrivait de Londres avec ses parents, constipation, pas très bien réglée depuis 4 jours. On effleure à peine les zones réflexes et puis dans la demi-heure qui a suivi, il y a vraiment eu des effets. Je vous le dis. Donc, c'est à tout À âge. tout âge, Un des avantages, vous pouvez être dans le métro, dans le bus, n'importe où. La personne a ses vêtements, vous pouvez l'aider parce qu'on peut le faire sur le vêtement, à la limite. On n'a même pas besoin d'enlever quoi que ce soit. C'est intéressant pour certaines personnes ou à Certainement. certains moments ou dans certains lieux. Oui, Donc, certainement. on peut le faire n'importe où. Je dirais n'importe quand. Je dirais d'une façon très simple parce que on fait pas des séances de réflexologie complète. S'il y a, par exemple, devant nous, quelqu'un qui tombe, se fait une foulure, alors on lui Non. fait quelques points d'ajustement. Oui. Donc, c'est tout le temps disponible. Et on ne touche jamais la région qui a un problème. Donc, Ah. moi, je considère que c'est très sécuritaire OK. parce que je ne mets pas mes doigts sur une coupure, une Oui. fracture, une brûlure, de l'eczéma. Oui. Je tourne autour du pot. C'est bon. Je vais chercher Oui. quels sont les réflexes et c'est là le sens de la réflexologie parce que le tout est dans la partie. Donc, je vais chercher une partie aidante, disons ça comme ça, une partie qui aide à la région qui est en problème. Et ce qui est merveilleux, c'est que, disons, c'est le genou là, qui a une problématique. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plein d'autres zones aidantes pour le genou. Donc, je n'ai même pas besoin de toucher la La région du région genou, blessée. Je la laisse tranquille. Et je vais chercher le coude ou l'autre genou oui. ou des points du genou dans la main ou dans l'oreille. Il y a une infinité de possibilités. Donc, c'est aussi, je pense sincèrement, qu'on ne peut pas être en panne sèche en disant il n'y a rien à faire. Donc, il y a comme des possibilités tout le temps d'améliorer la situation. C'est comme ça que je vois mon travail. Il n'y a pas d'obligation de réussite, mais il y en a souvent. Mais il y en a souvent, Voilà. Ah oui, il y en a souvent, ça c'est sûr. oui. Et aussi, on peut dire à la personne qui reçoit la séance de réflexologie, que peut-elle faire elle, par elle-même? Oui. Donc, ce n'est pas une dépendance à un thérapeute, je dirais bien le contraire. Ça devient l'autonomie. L'autonomie. Je fais par moi-même, je sais maintenant, parce que le réflexologue me l'a montré, je sais quoi faire et je prends soin de moi. Alors, c'est essentiellement, là, je considère que c'est un des super beaux aspects de la réflexologie, cette possibilité
de trouver les clés. Oui, les solutions. C'est ça, puis de permettre à la personne de les utiliser, ses propres clés. Oui, hein? Oui, c'est vraiment très, très intéressant, ça. Puis, je dirais que si on... Toujours, il est important d'être dans la prudence. Oui. Parce que c'est vraiment efficace, donc on peut pas faire n'importe où, on peut faire n'importe où, mais je veux dire que on doit respecter quand même certaines règles de base. Oui, certainement. Et une des règles de base dans ce travail de réflexologie, c'est la respiration. Oh. Et je dois dire, quel bonheur d'avoir, dans les tout débuts de ma carrière, raté des démonstrations. Puis jamais, oui, raté. Puis là, je me suis dit, ah non, on peut pas se permettre de rater devant 75 personnes trop souvent. Qu'est-ce qui a cloché? Tout à coup, je me suis dit, ah, je le sais. Dorénavant, je ferai une attention particulière sur la respiration. Et à partir de ce moment-là, ça a été absolument fabuleux. Donc, la respiration, pour moi, c'est l'outil oui. Qui me permet de me donner l'assurance que l'énergie elle, va bien couler. Et puis, je dirais que la respiration de la personne... Oui. C'est peut-être au-delà de 50% de la réussite. De la réussite, oui. C'est ça. Si on veut, aller suivre tes cours, où peut-on te trouver? Montréal, Québec? À Montréal et à Québec, et toutes les informations sont sur le site Internet. OK. Madeleine Turgeon. C'est le www, oui. Toujours, oui. Réflexologie, Madeleine Turgeon, tout dans un mot. Oui. .com. Parfait. Fait que donc, on peut avoir les dates, le calendrier. Calendrier. Les activités. L'historique. Oui. Les témoignages. Oui. Et, ah, oh, j'adore. Ah oui? Ben oui, c'est très important. Oui. Parce que s'il y a une théorie qui n'est pas soutenue par le résultat, ben, ça ne vaut pas la peine. Non. Alors, ici, c'est vraiment, il y a des témoignages et il faut les regarder et puis... s'en inspirer. Ben, Madeleine, un gros merci de nous avoir reçus. On va te souhaiter un bel hiver. On va aller voir ton site Internet. Oui. Et merci encore. J'espère qu'on va revenir. Ah, ben moi aussi! Ben oui, merci beaucoup!